is enough. Yo, salut à tous, c'est Dim, si on se retrouve en compagnie de Bello Gaul pour les résultats du défi du week-end. Bien ou quoi, Bello? Yo, yo, salut, ça va? Ouais, tranquille. Donc, la famille. Ouais, la famille, ouais. Donc voilà, résultat, on va faire court parce que la vidéo elle dure pas longtemps. Donc on va passer directement en enchaîne à la troisième place avec c'est Keizo, FTW et Ryog ASM. Je sais pas si je prononce bien. Donc eux, ils ont fait une strat de camp, un peu comme on avait fait nous. Un à la fenêtre de gauche, il referme un peu les barreaux, il allume un peu au Mustang, l'autre il s'occupe de l'entrée, mais bon, ça se déborde assez vite. Là c'est comment ça va être la folie, il va faire une belle petite esquive là. Ah ouais, là je me souviens, c'est la folie, j'avais déjà regardé. Franchement je pense que c'est la meilleure action qu'on a. Je sais pas, faudrait que je regarde, mais c'est vrai qu'elle est pas mal. Là je croyais qu'il était mort, moi. Et hop, il est passé en mode fouine. Il est passé, il est repassé. Franchement, quand ils sont bloqués là à un moment, tous les deux, les uns à côté de l'autre avec des zombies devant, je me dis bah c'est mort, ils vont mourir tous les deux. Il y en a un, on dirait, il est passé à travers les zombies. Il est passé quoi. Il est passé. Il était déterre. Donc voilà, le Ryog ASM il commence à se faire doser, mais là ça commence à être la fin. Hein. Quand t'as plus de masto et tout, c'est voilà, synonyme de fin de partie. Donc ils s'en sortent quand même avec 25 manches et 1179 kills. Voilà, bravo à autre, bravo à la troisième. Tiens, tu qui s'est pris à la fin 5 baffes d'un coup, dra. Tous les deux 5 blessures, 4 réa, bon, donc je vais équilibrer un beau jeu. Donc on enchaîne par les deuxièmes, Taïk et Charlie. Alors au départ on pensait qu'ils avaient triché parce qu'on avait une vidéo en accéléré avec des coupures. On s'est dit non, ils essaient de nous entourlouper avec leur vidéo en accéléré. En plus c'était des joueurs PC, on n'avait pas accès à leur mode studio. Mais au final il s'avère qu'ils n'ont pas triché, il y a des gens qui ont vérifié leur mode studio PC. Donc voilà, ils nous ont fait une petite vidéo récapitulative en plus sur YouTube où on voit bien tous les moments. Donc ils avaient une stratégie un petit peu spéciale. Un des deux joueurs mourait devant la porte de la banque, devant la porte principale. Et ça paquait les zombies et l'autre joueur, Taïk, paquait les zombies et voilà, il réanimait son pote après, il essayait de les tuer assez lentement, non? C'est ça, Bello, il les tuait 2 par 2, 3 par 3, ils essayaient pas de paquer comme des oufs. Ouais, en fait, avec l'espèce de truc, on va appeler ça un mini bug, il paquait les zombies et en fait, voilà, une fois qu'ils étaient paqués, c'était du 2 par 2 ou 3 par 3, c'était plus facile. Mmh. Mais bon, voilà, c'est une strat comme une autre. Hein. Ouais, ils ont fait 26 manches, c'est franchement bien, hein, mais... Après la strat, bon, c'est pas la plus jolie à regarder, je pense. Ah, il avait dit en mode chacal, hein, il a raison, c'est mode chacal. Au début, on croyait que le mode chacal, c'était plus qu'il voulait nous enculer, quoi, qu'il voulait prendre la récompense en mode là, chacal. Il va se faire doser. Va-t-il passer? Non, faut rien faire. Autre zombie arrive par devant, donc 26 manches, 1224 kills pour Taïk et Charlie, bien joué. Et la première place, elle revient à 6 Preda et BS Nightmare. Donc vous allez voir que ils ont gagné que de 80 kills. C'est pas beaucoup, hein, sur une partie à 26 manches, c'est pas beaucoup, 80 kills. Et voilà, ça a été chaud pour eux quand même. D'ailleurs, ça a fait un petit suspense parce que au début, on était sûr que c'était Preda qui avait gagné avec Nightmare. Et après, une fois qu'on a dit en fait la vidéo des mecs de PC, on l'apprend. Il fallait recalculer le nombre de kills et du coup, ça s'est rejoué. Et en fait, non, ça n'a pas changé les places. Donc eux. Et voilà, Nightmare il a perdu son masto et en fait Preda va le laisser crever, je sais pas si c'est fait exprès, s'il a voulu la terminer tout seul, parce que dans tous les cas, il va se relever, il aura juste de quoi racheter de masto, il aura plus trop de quoi racheter de mun, donc c'est vrai que ça sentait un peu la fin cette partie. Et là, ben, après Preda c'est un bon joueur, je pense qu'il aurait pu gérer seul. Les zombies là qui cassent les couilles en vérité, faut le dire. Après là j'ai mis un petit passage sur la bombe, je sais pas pourquoi il a pas pris la bombe. Donc ça ben seul lui peut répondre. Non mais en fait ça dépend si la manche est bien entamée ou pas. S'il pense qu'il y a encore 24 zombies qui vont spawner, qu'il va pas réussir à les paquer, il préfère tuer les zombies 2 par 2, 3 par 3.
Bah là, il va les tuer, tu vois. Il va les tuer tous au Mustang. Et c'est ça que j'ai pas compris. Dans ce cas, pourquoi il les tue au Mustang? Donc, bon, bref. En tout cas, rien à dire. Ils ont fait 26 manches. C'est le meilleur score. Donc voilà, bravo à eux. Là, il va essayer de passer. Mais malheureusement, il va se faire doser. Donc, bravo à eux. Première place. 26 manches, 1306 kills. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé. Merci, Dims, d'avoir fait ce commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. No problème, Bello. Je serais ravi d'en refaire avec toi. Allez, salut. Ciao.